basée sur la communauté. Monsieur Manley, la Convention de Genève considère les gaz lacrymogènes comme des armes qu'il ne convient pas d'utiliser contre les civils. Ces armes peuvent nuire à des manifestants pacifiques ou des passants. Le gouvernement va-t-il interdire l'usage de ces armes et va-t-il promouvoir le recours à des mesures de désescalade? Honorable ministre de la Sécurité publique, je remercie le député de son importante question. Il existe au pays un droit de manifester de façon pacifique, ce qui est protégé par notre Constitution. Le recours à la force peut donc avoir des effets considérables sur la sécurité du public. L'usage de ces moyens doit être réglementé. Il semblerait que les gaz lacrymogènes n'ont pas été utilisés au Canada en 9 ans contre des manifestants.